très heureuse dans la continuité déjà de belles rencontres avec les agricultrices de Loire-Atlantique et particulièrement avec les agricultrices de Vieille Vigne. Alors, comme vous allez le découvrir dans quelques instants, Croquante, c'est un film qui est intégralement dédié aux agricultrices. Et puis là, on a la chance d'avoir avec nous dans la salle Céline Caillon, Maréva et Annie qui doit arriver, qui sont en fait des agricultrices du territoire. Dans le fond, toutes étaient d'accord pour dire que cet espace de parole libéré leur faisait un bien fou. Pour nos mères et nos belles-mères qui ont lutté et ont subi. Pour toutes ces femmes qui méritent d'être entendues et écoutées. Un mouvement mondial féministe s'est levé et nous sommes debout. Et actrice que vous avez vue dans le film. Donc je suis Maréva, je suis agricultrice à Vieille Vigne. Je suis installée avec Mathieu, mon conjoint, ça va faire maintenant 5 ans. J'ai vraiment rendu compte dans ces journées de rencontres en non-mixité, donc en tant que femme agricultrice, qu'on avait vraiment des problématiques similaires. C'est ce qui nous a donné aussi envie de se battre pour elle, de se battre pour nous, de réussir à se faire notre place, mais ensemble en fait. Céline Caillon, je suis éleveuse de vaches laitières avec mon compagnon Fabien à Saint-Philbert-de-Gouesnes. Donc à Niong, paysanne sur la ferme de Saint-Hubert à Machecoul. Et si vous n'avez pas dormi pendant le film, vous avez pu voir que j'étais éleveuse de vaches laitières. Vous êtes ensemble, vous vous soutenez, et puis le retour, vous êtes plus seule. Comment vous avez vécu ces moments-là? Et en fait, quand on se retrouve chez nous, sur nos fermes, on se rend compte que ça avance certainement moins vite que ce qu'on peut croire aussi quand on est tout ensemble, quoi. On s'est senti une, tout ensemble. Et c'est vrai qu'après, on retournait dans nos fermes, et on n'avait plus ça, ce groupe-là. Là, et ouais, puis il fallait se remettre au boulot, quoi. Et le film a résonné chez plein de gens. Toute la journée en réunion, je suis revenue, et il y avait 3 lessives de fête à la maison. Voilà.